Bonjour. Voilà, c'est un nouveau challenge avec l'AS Auto. Après avoir été directeur sportif cette fois-ci, vous êtes l'entraîneur principal de l'AS Auto. Qu'est-ce qui a motivé cette nouvelle signature, ce nouveau contrat? Le challenge, comme vous l'avez dit, il y a différents paramètres. Bon, moi, j'ai vécu plusieurs années au Congo. J'ai commencé à entraîner les seniors au Congo, puisque avant, j'étais en France avec les équipes de jeunes pendant une douzaine d'années. Donc, le Congo m'a mis un peu le pied à l'étrier. À l'époque, c'était avec le club Tongo FC, 2014, 15, 16 et un petit peu 2017 aussi. Donc, moi, j'ai une attache particulière avec le Congo, une attache même sentimentale, puisque mon fils, il est à moitié congolais. Donc, ce n'est pas un pays comme les autres pour moi. Donc, j'ai toujours cette idée d'aller aider le football congolais. Ayant reçu cette proposition, ça s'est fait très rapidement, parce qu'après, sur les conditions, on s'est très rapidement mis d'accord. Mais le challenge me motivait parce que, il y a un sixième titre à aller chercher d'affilée, donc ce serait quand même historique. Il y a une coupe à aller chercher, qui n'a pas été le cas l'année dernière. Il y a une difficulté à faire le doublé, donc moi j'ai cette motivation à faire un doublé. Et puis être respecté sur le plan continental. Il y a eu sur les cinq dernières années, il me semble, deux campagnes. Il y en a à peu près une campagne sur deux. Une année sur deux, l'équipe va dans les groupes. Ça serait bien d'y aller chaque année. C'est ambitieux, mais je pense que le club a la structure, la motivation. C'est un club qui est bien structuré, qui est sérieux, qui est bien organisé. Et donc, je ne suis pas venu en reculant. Au contraire, je suis venu avec de l'enthousiasme et l'envie de découvrir des jeunes. C'est toujours ce qui m'intéresse aussi. Et puis, de rendre l'équipe meilleure. Alors, l'AS Auto reste sur un cycle de 5 ans avec un coach. Maintenant, c'est un nouveau cycle, donc il va y avoir un peu de nouveautés, notamment dans le style de jeu. Alors, comment vous avez trouvé le groupe? C'est depuis le 20 que vous avez signé avec l'AS Auto. Le groupe, vous êtes avec l'équipe maintenant. Comment avez-vous trouvé le groupe? Ça fait que la troisième séance, mais je trouve qu'ils sont quand même très réceptifs. Après, je connais les particularités des joueurs congolais. J'ai jamais eu à me plaindre, moi, sur l'attention, sur l'éveil et la curiosité des joueurs. Ils aiment vraiment le foot. Après, ici, j'en ai pas vu encore, mais ce que j'avais connu à l'époque, c'était des problèmes de discipline et, on va dire, d'hygiène de vie. Voilà. Donc ça, je connais pas encore assez le groupe pour le dire, mais pour ce qui est du stricto terrain, c'est très intéressant, c'est un bon groupe. Après, il y a des internationaux, il y a des joueurs qui ont joué régulièrement des matchs CAF, donc ils ont quand même un QI football et une connaissance du foot qui est intéressante. Je vois qu'ils sont réceptifs, qu'ils sont attentifs, donc je pense qu'on va pouvoir aller loin. Après, le petit bémol, c'est que le premier tour de Ligue des Champions est un peu proche. On n'a pas beaucoup de temps pour vraiment le travailler, donc on va faire au mieux. Mais sur la saison, je ne me fais pas de soucis sur le spectacle qu'on va donner. Est-ce qu'on peut revenir sur la Ligue des Champions et les objectifs que vous ont été assignés avec le club? Est-ce que c'est participer simplement ou bien aller pour être au perchoir du football africain? On n'en a pas parlé explicitement. Maintenant, je pense que d'une manière tacite, on est tous ambitieux, puisque comme je vous l'ai dit, une année sur deux, Auto va dans les groupes de Confédération CAF, la deuxième coupe. Bon, moi, mon idée, c'est de jouer la Ligue des Champions avec Auto le plus tôt possible. Voilà. Si ce n'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Mais pour ce qui est de ce premier tour-là, on joue... C'est pas forcément un gros morceau parce que tout le monde ne connaît pas Cape Town, mais ça reste quand même une équipe du championnat sud-africain où les salaires sont énormes. Ils doivent gagner 10 ou 15 fois plus que nos joueurs ici. C'est pas négligeable, ils ont vraiment des structures professionnelles. Il faut savoir qu'il y a des joueurs d'Amérique du Sud qui vont jouer en Afrique du Sud, des joueurs européens vont en Afrique du Sud. Ça veut bien dire que là-bas, il y a des infrastructures et des conditions de travail qui sont au top, au top, au top. Donc on va jouer vraiment à un gros club, quasiment de niveau européen. Donc on ne sera pas favori, mais c'est encore plus plaisant d'éliminer quand on n'est pas favori. Moi, je viens de connaître ça 3 ans avec Djibouti. Quand vous battez en étant le petit, c'est encore plus merveilleux et plaisant. Voilà. On va tout faire. Là, j'observe l'adversaire avec mon analyste vidéo qui est en France aussi. Donc on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour perturber au maximum cette équipe et passer ce premier tour et ensuite passer le deuxième tour. Moi, de toute façon, j'ai pas besoin que le club me fixe des ambitions parce que mes ambitions sont déjà très élevées. Donc je pense que, comme je vous ai dit, tacitement, on a tous envie d'aller le plus loin possible et j'espère les joueurs aussi. Pour revenir sur le groupe, vous l'avez vu, quelques départs, est-ce que ça vous pose pas de problème? Non, pas vraiment, non, parce qu'ils ont été compensés, déjà numériquement. Après, reste à voir qualitativement. Sur les joueurs offensifs qui sont partis, moi, je ne me fais pas trop de soucis.
Après, l'attaque commence par l'arrière, l'assise arrière. Donc c'est un peu là-dessus que se penche mon œil. J'essaye de voir un petit peu comment on va jouer derrière. Est-ce que ça sera une défense à 4, une défense à 3, avec quel joueur exactement. Je pense que sur tout ce que j'ai vu là, deux renforts pour la Ligue des Champions seraient très très bien. Ce serait très bien. Après, pour le championnat, on est déjà armé. Mais si on veut être ambitieux sur la scène continentale, je pense qu'il nous faut encore deux renforts avec un peu d'expérience. Pas forcément des joueurs âgés, mais expérience du haut niveau et expérience de ce niveau de jeu. Parce que là, Cape Town, faut pas se laisser avoir par les résultats. Ça joue bien au football. C'est tous des bons joueurs de foot. Et ils ont deux mecs devant qui sont très rapides. Donc voilà, on va pas jouer un petit. Et là, on a une équipe qui est bien pour la Coupe CAF, mais là ce qu'on va jouer c'est vraiment la Ligue des Champions, donc je pense que voilà, un ou deux renforts ce serait parfait, et mais pas plus, il n'y a pas besoin de plus. Coach, le 20 vous avez signé, le 10 c'est le match, le temps, il y a encore le temps pour préparer une équipe compétitive pour la Ligue des Champions? Mais il n'y a pas le choix hein, de toute façon. Si je dois être honnête intellectuellement, c'est trop court. Mais après, le foot, c'est de la passion, donc on est dans la déraison. Donc si on est dans le... En tout cas, moi, je sais qu'il y a beaucoup de coachs, notamment des coachs européens qui sont beaucoup dans le calcul. Moi, je suis dans la passion. Donc là, on m'a appelé, j'ai foncé, on s'est mis d'accord en deux heures quoi, avec le club. Je savais ça. Donc voilà, de même que quand j'ai signé à Djibouti, je savais que l'équipe était tout en bas du classement mondial et africain. Et plein d'amis m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas » Ben, je dis ben, « On va faire quelque chose d'historique. » Voilà. On est des hommes de challenge normalement. Pour moi, on ne doit pas être dans le calcul quand on est un joueur ou quand on est un entraîneur. On ne doit pas être dans « Ah oui, mon salaire, ah oui, la sécurité sociale, mes points retraite. » Ce n'est pas ma façon de réfléchir. Donc oui, le challenge est difficile. Certainement que d'autres coachs auraient dit non, mais... Pour faire quoi? Pour rester dans le confort, pour observer de loin et critiquer? Non, moi, on part dans l'action. Le challenge est difficile. Tout le monde en est conscient. Moi, personne ne m'a mis la pression ici. Tout le monde en est conscient. Les dirigeants en premier, ils ne sont pas bêtes. Et les joueurs savent. Mais maintenant, ben, on redouble d'efforts. Et ouais, on a à peu près 15 jours, un peu plus. Ben, si on s'entraîne deux fois mieux que d'habitude, en fait, ça fait 15 jours, si je veux être optimiste. Donc, je vais mettre beaucoup de séances vidéo. Je compte sur leur réflexion. Je compte sur leur... Moi, je leur ai dit, il faut que vous soyez ambitieux et passionnés. C'est les deux trucs principaux. Vraiment, il faut qu'ils aiment le football et qu'ils soient passionnés de football et ambitieux. Ambitieux, pas par rapport à l'argent ou le matériel ou passer à la télévision. Non, mais ambitieux pour passer de tour, pour marquer l'histoire du football congolais. Et que sur la scène continentale, on parle de Otto. Déjà, des médias européens m'appellent et tout, donc ça va donner un coup d'œil aussi. À la fois sur Otto, mais sur le football congolais. Il faut que nous tous ici, on assume cette responsabilité. Et puis bon, c'est des gros matchs à jouer. Si on passe pas, personne ne va pleurer parce qu'on n'est pas favori. Voilà. La pression, elle est sur Cape Town. C'est eux la pression. Le budget qu'ils mettent, c'est notre budget de plusieurs années, c'est leur budget de un mois. Donc c'est eux qui ont la pression. Et c'est là-dessus qu'on va jouer.